Au cours de notre voyage, nous allons pouvoir admirer bon nombre des châteaux qui font la richesse et la fierté du sud de la France. Fidèle reflet des relations distantes et fortes à la fois qu'entretint cette province avec le pouvoir royal sous l'Ancien Régime, les châteaux de Bourgogne sont aussi l'expression d'une région profondément rurale. Nous allons découvrir le château de Saint-Fargeau, le château de Commarin, le château de Châteauneuf, et le château de Savigny. Datant du XIIe siècle, le château du Clos de Vougeot, classé monument historique depuis 1949, est le gardien d'un domaine vinicole de plus de 50 hectares. La cave contient 4 énormes pressoirs, dont 2 sont encore en état de marche. Parmi les arbres de son immense parc, le château veille, plus loin, sur la tranquillité de Saint-Fargeau. À la sévérité de ses tours s'oppose le rose tendre de la brique. Et derrière la porte massive, la cour d'honneur conjugue entre les 3 corps de logis une élégance insoupçonnée. Entre fermes et châteaux, chaque été réinvente à Saint-Fargeau l'histoire des paysans et des rois dans le brio de spectacles éblouissants. Découvrons maintenant le château de Chailly, daté du XVIe siècle. Il est classé monument historique. Aujourd'hui reconverti en hôtel prestigieux, il se juxtapose à un golf de 80 hectares classé parmi les 75 plus beaux golfs de France. Le château de Ténisset est une propriété privée appartenant à la même famille depuis la Révolution. On retrouve une bâtisse moyenâgeuse de 1470 où ses mâchicoulis rappellent sa fonction protectrice. La partie la plus moderne a été construite en 1720 par François de Cluny. Dans les eaux immobiles de ses douves, le château de Tanlay. Fief important du protestantisme au XVIe siècle et bel exemple de la Renaissance française.
À quelques kilomètres plus au sud, le château d'Ancy-le-Franc conjugue en sa cour intérieure de tendres parfums d'Italie. Derrière le classicisme austère de la façade, les splendeurs des décorations et des mobiliers luxueux. Entre Châteauneuf et Dijon, le château de Commarin. Dans la sévérité de ses douves et l'élégance de son jardin anglais, ce château classé monument historique est situé sur la route des Ducs de Bourgogne. Construite sur une base romaine datée du XIIIe siècle, Commarin va subir de profondes transformations, évoluant petit à petit du château fort à la maison d'agrément. Ses douves furent agrandies et les perspectives redessinées. Entre Clamecy et Saint-Fargeau, le château de Ratilly connut au XVIe siècle les troubles des guerres de religion. Après les Huguenots, les jansénistes y trouvaient refuge au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la pierre ocre de l'imposant château du XIIIe se fait l'écho d'activités beaucoup plus douces, liées toujours à l'argile, qui, depuis l'époque gallo-romaine, a vu naître ici des générations de potiers. Les châteaux et les fermes des monts du Charolais ont l'élégance discrète et la solidité tranquille des paysages alentours. Entouré de forêts, le château de Châteauneuf, en Auxois, a conservé l'essentiel de son aspect défensif. Le vieux bourg médiéval, classé parmi les plus beaux villages de France, était autrefois une étape pour les pèlerins de Compostelle. Dominant la vallée du canal de Bourgogne, la forteresse offre un point de vue imprenable. L'intérieur du château révèle de magnifiques tapisseries tissées en laine et en soie par un atelier flamand reprenant les épisodes de la vie de Moïse. Alphonse de Lamartine naquit à Mâcon, dans le quartier de la rue des Ursulines. Les multiples propriétés familiales traceront jusqu'au château de ses amis à Cormartin un circuit de flânerie et de rêverie qu'il affectionnera toute sa vie. Et où conduisent encore, au château du Saint-Point, les écrits du poète. Vous me trouverez au fond des montagnes du Charolais, dans un vieux château fort romantique,
mais je ne mène pas la vie du Moyen-Âge. C'est plutôt l'âge pastoral. Je laboure, j'élève des poulains et je chante de temps en temps. » En s'enfonçant dans la gorge rétrécie et boisée des montagnes de Saint-Point, on arrivait à un site qui s'est pétrifié depuis dans mon imagination et ma mémoire, le village et le château de Pierre-Clos. La jeune comtesse Nina de Pierre-Clos, célèbre par sa beauté et ses talents, fit du château de Cormatin un séjour d'attrait, d'art et de délices. J'y ai passé des heures de jeunesse qui ont rendu ce château à la fois cher et triste à mon cœur. À la riance des demeures tant chéries de Lamartine, le village de Brancillon oppose la silhouette farouche de son château féodal. Le château de Corton du XVe siècle, au toit magnifiquement décoré, est le seul château dans les grands crus de la côte de Beaune. Le château de Pierre de Bresse, bel ouvrage du XVIIe siècle, ouvre en son nord-ouest le pays de la Bresse bourguignonne. Pays de bonne chère et de tables fameuses, dont la volaille, tel un cru réputé, jouit en exclusivité d'une appellation d'origine contrôlée. Daté du XIVe siècle, le château de Savigny renferme plusieurs musées passionnants, à commencer certainement par l'une des plus belles et rares collections de prototypes de voitures de course de la marque Abarth. Le musée de la moto, avec plus de 250 modèles exposés, et un musée de l'aviation composé de 650 maquettes et de véritables avions de chasse exposés dans le parc. La région Rhône-Alpes n'est pas réputée pour ses châteaux. Néanmoins, elle possède de magnifiques sites, tels que la tour de Crêt, le château de Grignan, ou encore le château de Suse-la-Rousse. Au débouché de la Drôme, dans la plaine de Valence, Crêt tire orgueil de son donjon au pied duquel la cité partage son activité entre son rôle de marché agricole et ses industries alimentaires. Le donjon de Crêt, ou la tour, est le seul vestige d'une forteresse démantelée en 1632 sur l'ordre de Louis XIII. Plus haut donjon de France, avec ses 184 marches et 52 mètres de haut, la tour de Crêt est la gardienne d'une des rares portes des Préalpes drômoises. Servant de prison du XVe au XIXe siècle, la tour de Crêt conserve le témoignage de ces hommes et femmes condamnés de droit commun, protestants, libertins et républicains qui y furent les derniers enfermés.
les vestiges du château de Montbrun-les-Bains, dont il ne reste malheureusement que des ruines, et les quatre tours rondes, permettent cependant d'imaginer la taille de ce château qui pouvait loger plus de 200 hommes et leurs chevaux. Élevé au XIVe siècle, il fut démantelé par les catholiques lors des guerres de religion et en grande partie reconstruit en 1564, ce qui explique la décoration renaissance de la porte d'entrée. Dressé sur une butte rocheuse isolée, un imposant château ayant appartenu aux Adhémars de Monteil domine Grignan, vieux bourg du Tricastin. L'ensemble constitue un tableau tout à fait pittoresque. Rendu célèbre par Madame de Sévigné et sa fille Madame de Grignan, le château médiéval a été transformé à plusieurs reprises. On peut y admirer un mobilier ancien, la qualité exceptionnelle des parquets, ainsi que les belles tapisseries d'Aubusson dont les murs sont décorés. Venue à Grignan pour soigner sa fille atteinte d'une maladie de langueur, Madame de Sévigné s'éteignit de fatigue et d'inquiétude en 1696 à l'âge de 69 ans. Elle fut enterrée dans l'église du château. Suze-la-Rousse, pittoresquement étagée sur la rive gauche du Lez, était au Moyen-Âge la plus importante ville du Tricastin. Le qualificatif de la Rousse, accolé à Suze, viendrait de la teinte que prennent ici les pierres après les pluies. D'autres l'attribuent à la couleur des cheveux de Marguerite Desbeaux, appelée de son vivant la Rousse. La colline de Suze est dominée par un imposant château féodal qui date du XIIe siècle et ses tours sont de bons exemples de l'architecture militaire de cette époque. Il a été transformé intérieurement lors de la Renaissance. Ancien rendez-vous de chasse des princes d'Orange, le château est aujourd'hui le siège de l'Université du Vin. Créé en 1978 sous l'impulsion de professionnels, cet établissement d'enseignement supérieur dispose d'un laboratoire, d'une salle de dégustation et propose des stages d'œnologie. Un jardin des vignes rassemble sur 2 hectares 70 cépages des principaux pays viticoles et permet aux nombreux visiteurs et stagiaires de découvrir les différentes phases végétatives de la vigne tout au long des saisons. Chaque année sont organisées des expositions et des animations à la gloire du vin. Aussi, au terme de 8 siècles d'existence, le château de Suze-la-Rousse a retrouvé une vocation. C'est désormais un lieu de rencontre et d'échange où les passionnés du vin trouvent à la fois les nourritures du corps et celles de l'esprit. Nous survolons Château Quérin, perché au-dessus de Château Villevieille. Cette bâtisse féodale fut intégralement reconstruite, puis fortifiée par Vauban au XVIIe siècle. Néanmoins, elle a gardé l'essentiel de ses bâtiments anciens. Le château de Miolan était une forteresse redoutée, contrôlant les passages dans la combe de Savoie. Elle offre une vue remarquable du Mont Blanc jusqu'au Vercors. Ses origines remontent au IVe siècle et du haut de ses 550 mètres, elle surveille la voie romaine Milan-Vienne. Le marquis de Sade y fut incarcéré en 1772 et réussit l'impossible en s'évadant d'une forteresse dite infranchissable
à l'aide de draps noués en cordes. Le lac d'Annecy est considéré comme le joyau des Alpes de Savoie. Cerné de montagnes, moins vaste que le lac du Bourget, il est alimenté de cours d'eau insignifiants. La silhouette élancée du château de Menton-Saint-Bernard, édifié entre le XIIIe et le XVe siècle, domine la rive est du lac. Sur la rive opposée, le château d'Huin veille sur un étranglement du lac depuis le XIe siècle. Situé sur un îlot rattaché à la terre par une levée, il fut remanié au XVIIe puis au XIXe siècle. La vieille ville d'Annecy est dominée par l'imposante architecture du château. Ancienne résidence des comtes de Genève et des ducs de Genevois-Nemours, ces bâtiments vont du XIIe à la fin du XVIe siècle. Ravagés plusieurs fois par le feu, ils servirent de caserne jusqu'en 1947. Aujourd'hui, propriété municipale, le château est parfaitement restauré. Il est remarquable de voir à quel point l'histoire de l'Aquitaine suit et parfois précède l'histoire de France. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir les nombreux vestiges laissés par cette histoire, comme les châteaux de Bénac, Bonaguil, Montbazillac, ou bien encore le château de Hautefort. À Bénac, le donjon du château veille depuis le XIIIe siècle sur les maisons du bourg groupées au pied de la falaise. Bien que place forte redoutable, Bénac subit néanmoins les ravages des guerres du Moyen-Âge et Richard Cœur de Lion imposa à ses valeureux défenseurs une cuisante défaite. Lui faisant face, le château fort de Castelnau semble affirmer encore, après tant de siècles de batailles et de déchirements, une terrible rivalité. Car en ce beau pays, où la rivière serpente harmonieuse et légère entre les peupliers et les saules, Bénac et Castelnau se menèrent une lutte interminable et cruelle. Plus tard, alors que l'aristocratie ne se destinait plus à l'art militaire, le manoir d'Erignac s'éleva. Construit au XVIIIe siècle, le manoir s'entoura de jardins à la française. Ces jardins de l'intelligence, comme on les appelait à l'époque de Voltaire, sont construits de manière très ordonnée, jouant sur les effets optiques causés par les fausses perspectives. Ces jardins apparaissent différents selon l'angle de regard choisi. Lieu où le raffinement est poussé à l'extrême, il dépeigne une des multiples facettes des richesses des alentours de Sarlat.
Non loin de là, découpant sa silhouette dans le ciel aquitain depuis le XVe siècle, le château de Bonnaguil reste l'un des plus fameux monuments de la région. Bâti sur un piton rocheux qu'il épouse pour mieux se défendre, Bonnaguil est l'un des ultimes châteaux forts et bénéficie donc de tout un savoir militaire. 13 tours, 350 mètres de périmètre, des couloirs si étroits qu'un assiégeant qui s'y engage est désarmé, un siècle avant Vauban, Bonnaguil s'affirme comme un chef-d'œuvre de fortification. Après son passé militaire, même si personne n'eut l'affront de l'assiéger, le château devint une demeure seigneuriale et son architecture garde les traces des différentes époques qu'il traversa. C'est tout près de Bergerac, après les cultures et les prairies, que court au sud le prestigieux vignoble de Bombazillac, dont la réputation remonte au XVIe siècle, et qui, tout en restant un inégalable apéritif, accompagne merveilleusement les foie gras, les melons et tous les desserts. Construit vers 1550, le château ouvre sur les vignes à perte de vue, conjuguant avec bonheur la sévérité de l'architecture militaire et l'élégance de la Renaissance. Né des cépages sémillon, muscadelle et sauvignon, le Montbazillac demeure le plus fameux vignoble du Bergeracois, bien qu'étant le plus jeune. Mais alentour, les Montravel, les Bergerac, les vins de Rosette et le Pécharmant lui sont des compagnons appréciés et glorieux. La vendange tardive lui donne un fort degré et un goût qui le caractérise entre mille. Le château de Montbazillac est devenu le symbole de ce terroir. Datant de la Renaissance, comme le prouve son architecture travaillée, il s'inscrit également, à l'image de son toit, dans un style périgourdin. Aussi cossu à l'intérieur qu'à l'extérieur, le château reste avant tout un nom de rêve pour l'amateur de vin. Dans le sous-sol, les caves recèlent de véritables trésors. Ces cuvées hollandaises sont des appellations qui remontent au temps où les commerçants d'Amsterdam importaient le vin de Montbazillac et qui le renégociaient à un prix d'or. Si le Repentière connaît la réputation du Montbazillac, c'est en grande partie grâce aux négociants amstelodamois. Après leur intronisation, les nouveaux élus du consulat de la Vinée deviendront les ambassadeurs privilégiés des vins de Bergerac, qu'ils ont pour mission de représenter hautement en France et de par le monde. Entre Quercy et Bordelais, la Corrèze et le Tarn-et-Garonne, court de rivière en forêt l'âme profonde du Périgord. Pays de l'homme, des châteaux et des quatre couleurs, c'est ici, près de Saint-Modane, que naquit l'écrivain Fénelon, au château qui porte depuis son nom. Sur la route qui mène plus loin au château de Vérignac, la luminosité des campagnes et des ciels dit combien ce Périgord-là ne porte de noir que le nom. De forteresse féodale en villégiature renaissance, ici, tout n'est que demeure superbe, toujours admirablement restaurée. Plus au nord, au cœur de ce Périgord noir, magnifique et farouche, les tours de Puy-Martin. Durant les guerres de religion, qui marquèrent toute la vallée, les catholiques du château opposèrent à l'abri des courtines
une résistance sans faille aux protestants de Sarlat. Érigé au XVIIe siècle sur les ruines d'une forteresse incendiée par le Grand Condé, le manoir d'Érignac ouvre ses intérieurs sur de splendides jardins 18e parmi les plus remarquables de France. Surplombant l'un des cingles les plus réputés de Dordogne, le château de Montfort, dont l'emplacement exceptionnel fut source de luttes incessantes. Au plus profond du Périgord noir, le château de Loos, forteresse imposante et sévère, dont la silhouette se surprend à rêver dans les eaux tendres de la Vézère. Derrière la courtine, qui file entre les quatre tours, la cour intérieure découvre l'architecture renaissance du grand logis du XVIe siècle. À l'intérieur, un mobilier remarquable témoigne de la vie sous les derniers Valois et les premiers Bourbons. Entre le château de la Salle, situé au cœur du village, et celui de Clairan, dont les tourelles dominent la rivière, Saint-Léon-sur-Vézère inscrit la gaieté de ses tuiles roses. En surplomb d'un panorama gigantesque, le château de Hautefort marque, à l'est du Périgord blanc, le passage entre Périgord noir et Périgord vert. Dressé en ce point haut et fort qui lui valut son nom, l'ancienne forteresse féodale fut au XIIe siècle, en ces époques troublées où les luttes fratricides déchiraient l'Aquitaine, un enjeu d'une rivalité farouche entre Constantin et son frère Bertrand, le troubadour, chantre célèbre des plaisirs belliqueux. Après les guerres de religion durant lesquelles les défenses du château furent encore renforcées, un remaniement complet des lieux fut opéré au XVIIe siècle, auquel Hautefort doit son raffinement et son luxe d'aujourd'hui.
Conjuguant Renaissance et classicisme, le château affirme un fort accent de Val-de-Loire, renforcé par l'harmonie précieuse de ses intérieurs et la géométrie parfaite de ses admirables jardins. En plein cœur du Périgord vert, les tours de Puy-Guilhem accrochent au ciel la même élégance Renaissance. Et l'homogénéité absolue de la construction vient souligner encore l'indéniable similitude entre ce château périgourdin du XVIe et ceux tant aimés en Loire de François Ier. Et la tour moyenâgeuse du château de Martigny, édifiée au XIIe siècle puis reconstruite 300 ans plus tard, rappelle, avec les fenêtres à meneaux et les arcades de la galerie, les splendeurs d'antan. À l'est de ce Périgord vert et si tendre, les toitures d'ardoise et les pics des tourelles du château de Jumilhac gardèrent toute sa vie prisonnière l'infortunée épouse d'un châtelain trop jaloux. La légende ne dit pas si la beauté de la nature environnante parvint à adoucir quelque peu la triste captivité. Les eaux de la Dronay serpentent au pied du château de Bourdeil. À l'intérieur de l'enceinte, deux édifices témoignent des deux grandes époques de son histoire. L'un médiéval, construit au XIIIe siècle et dont les murs du donjon atteignent l'épaisseur impressionnante de 2,40 m. L'autre château, Renaissance, tout en élégance et en sobriété, abrite en ses intérieurs de splendides décorations et un mobilier luxueux. Siège d'une des quatre baronnies du Périgord, le château de Biron a subi de multiples remaniements architecturaux au fil des siècles. Installé sur une butte, aux confins du Périgord et de la Genêt,
il domine les champs cultivés, les métairies et les grandes forêts avoisinantes. Vaste amphithéâtre sur la Méditerranée, au climat doux et ensoleillé, la région Languedoc-Roussillon se caractérise par une extrême variété et une richesse de sites de qualité tels que la forteresse de Salses, la cité de Carcassonne ou bien encore les citadelles cathares. C'est en 1497, sur ordre de Ferdinand le Catholique, que débutent les travaux de la forteresse de Salses. Il faudra 10 ans pour que s'achève la construction de ce véritable chef-d'œuvre d'architecture, dû en grande partie au génie d'un ingénieur espagnol de talent, Ramiro López. D'ailleurs, tout paraît ici rappeler l'Espagne toute proche, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la forteresse de Salses sera pendant plus de 120 ans un bastion espagnol que pas une armée n'arrivera à prendre. Tout était étudié pour se protéger des assaillants. Le système de fortification rasante, tout d'abord, qui offrait l'avantage non négligeable de voir au loin sans être vu. Les murs, ensuite, d'une épaisseur de 15 mètres à leur base et qui offraient ainsi une muraille infranchissable pour n'importe quel boulet de canon. Le site, enfin, qui ouvre sur la mer et sur une immense plaine. En 1691, le célèbre Vauban transformera certains aspects de la forteresse qui allait devenir prison, puis poudrière et enfin caserne. Les touristes qui aujourd'hui la visitent prennent rapidement conscience que dans ces pierres sommeillent environ 500 ans d'histoire du Roussillon. Autre lieu chargé également d'histoire espagnole, le palais des rois de Majorque à Perpignan, plus vieille résidence royale de France, édifiée au XIIIe et XIVe siècle, ce magnifique édifice médiéval devint en 1262 la capitale continentale des rois de Majorque. Il en reste aujourd'hui un palais où se mélangent des influences tout autant romanes que gothiques, mais aussi hispaniques et mauresques. Tout ceci a contribué à donner à l'ensemble un aspect paradisiaque, au sein duquel les habitants royaux pouvaient jouir à souhait, en fonction des saisons, de l'ombre et de la fraîcheur, ou alors de la chaleur du soleil catalan, et ce, tout en profitant d'un point de vue exceptionnel sur le Roussillon et la ville de Perpignan. Dominant la baie de Collioure, le château royal des Templiers est vieux de plus de 700 ans. Remarquablement conservé, celui qui fut l'une des résidences des rois de Majorque et d'Aragon, après avoir été un haut lieu de l'ordre des Templiers, est aujourd'hui le théâtre de nombreuses manifestations artistiques et culturelles.
considérée comme une des merveilles de l'Occident, véritable site stratégique entre la Méditerranée, les Pyrénées et les contreforts du Massif central, la cité de Carcassonne domine le cours de l'Aude depuis une colline de 500 mètres. Véritable témoignage de l'histoire mouvementée et tumultueuse du Languedoc, la forteresse de Carcassonne représente une véritable invitation à un voyage dans le temps. Jusqu'au XIIe siècle, elle connaîtra une phase d'expansion et un grand nombre d'édifices nouveaux lui donneront l'aspect que l'on connaît d'elle aujourd'hui. Mais l'histoire de Carcassonne restera à jamais liée au catharisme. Raymond Roger Trencavel, riche seigneur et maître de la cité, prendra sous sa protection les cathares contre lesquels le pape Innocent III lancera une croisade en 1209. La ville sera assiégée et capitulera devenant le quartier général des troupes de Simon de Montfort, chef de la croisade contre l'hérésie cathare. Petit à petit, la cité perdra de son importance stratégique et c'est en 1844 que Viollet-le-Duc en entreprendra la restauration. Il ne se doutait pas encore que le résultat de son travail serait admiré un siècle plus tard par plus de 200 000 visiteurs par an. Véritable symbole de l'orgueil et de la fierté du Midi languedocien, les citadelles cathares sont disséminées essentiellement sur le département de l'Aude. Construites à des hauteurs vertigineuses et quasiment imprenables pour l'assaillant, elles auront été tout au long de la croisade contre les cathares, connues aussi sous le nom d'Albigeois, de véritables symboles de résistance aux terribles troupes de Simon de Montfort. À la fin du XIIe siècle, l'Occitanie était une région prospère où transitaient tous les pays. La société occitane accueillait favorablement les idées nouvelles de la religion cathare. Celle-ci reposait sur un idéal de pureté, de charité, de chasteté et de non-violence, reflet d'exigences évangéliques strictes. Mais l'Église catholique, apeurée par cette quête de perfection, les jugea anticléricaux et hérétiques. De 1209 à 1229, une guerre sainte fut lancée contre eux et s'acheva dans le feu et le sang. Construits sur des hauteurs par mesure de sécurité, les châteaux cathares permettaient peut-être aussi à leurs habitants d'élever leur âme vers le soleil. Aujourd'hui, sous le chaud soleil du Languedoc, à mesure que l'on progresse vers celles que l'on a surnommées les citadelles du vertige, on comprend aisément le rôle qu'elles ont joué dans la protection des cathares et l'on imagine plus facilement encore comment les sièges de ces châteaux ont dû être pénibles et difficiles. À l'intérieur de ces ruines, il suffit bien souvent de fermer les yeux pour entendre ce que fut ici la vie et sans doute aussi le calvaire des réfugiés cathares dans ces forteresses qui résonnent encore comme des enclaves de liberté au milieu de cette Occitanie du Moyen-Âge ensanglantée et meurtrie. La Provence, axe de circulation des idées, des cultures et des armées, conserve de nombreuses traces de son passé tumultueux. Le Palais des Papes à Avignon, le château de Tarascon ou bien encore le château d'If en sont les meilleurs exemples. Au cœur du village de Gordes, en son point culminant, le château ajoute le charme de son architecture renaissance à celui des maisons qui le cernent.
la cheminée de la grande salle du premier étage datée de 1541, avec ses frontons, coquilles et pilastres, affirme son appartenance à la Renaissance. Délimitant l'extrémité nord de la place du Palais, le Petit Palais, édifié au début du XIVe siècle, abrite depuis 1976 la fabuleuse collection de peintures du marquis Gian Pietro Campana. Avec 300 primitifs italiens, cette collection forme un ensemble unique en Europe, permettant un voyage au cœur de la création artistique italienne entre le Moyen Âge et la Renaissance. Le palais des papes fut construit en deux temps. Entre 1334 et 1342, Benoît XII confie à l'architecte Pierre Poisson l'édification d'une puissante forteresse, vaste et austère, conforme au passé cistercien du pape. Clément VI, aristocrate fastueux, fit bâtir par Jean de Louvre, accolé au premier, un second palais de style plus fleuri. La salle du consistoire était le cœur de l'activité diplomatique du Saint-Siège. Réception, annonce, procès en canonisation, le pape et ses cardinaux débattaient ici des intérêts de la chrétienté. Doté d'un magnifique lambris de bois en forme de carène renversée, le grand inel ou salle des festins étonne par ses dimensions, 45 mètres de long par 10 mètres de large. La chapelle du Tinel, décorée entre 1344 et 1345 par les peintres de Matteo Giovannetti, retrace des scènes de la vie de Saint Martial. Ses fresques polychromes montrent l'admirable maîtrise de la perspective et des détails des artistes italiens. L'austérité du Palais Vieux, austérité toute cistercienne, voulue par son fondateur, s'exprime par la sobriété du cloître de Benoît XII. Cette simplicité confère au lieu une sérénité intemporelle. Du haut de la tour Saint-Jacques à Villeneuve-les-Avignon, la vue sur la cité des papes et sur la porte fortifiée du fort Saint-André mérite le détour. À 10 km au sud d'Avignon, la résidence des marquis de Barbantane, construite à partir de 1674, ne fut achevée qu'à la fin du XVIIIe siècle. Cette demeure, considérée comme le plus italien des châteaux de Provence, est toujours habitée par un marquis de Barbantane. Dominant le fleuve de 48 mètres, le château de Tarascon, magnifique édifice du XVe siècle, doit son aménagement final au roi René. Le roi de Provence y organisa de nombreux tournois et fêtes, dont celle fameuse de la Tarasque, représentant la légende d'un monstre qui sortait du fleuve pour dévorer les enfants de Tarascon et qui fut pacifié par l'une des saintes Marie de Camargue, Marthe. Transformé en prison royale au XVIIe siècle, l'édifice conserva ce rôle carcéral jusqu'en 1926. Sur la rive opposée du Rhône, le château et le port de plaisance de Beaucaire font face à Tarascon. Les deux châteaux se surveillaient l'un l'autre. Tarascon pour le compte du royaume de Provence, Beaucaire pour celui de France. Démantelé par Richelieu, le château de Beaucaire abrite aujourd'hui un superbe spectacle de rapaces perpétuant la tradition des fauconniers de la noblesse féodale. Thank you.
à quelques kilomètres au nord d'Aix-en-Provence, au pied de la montagne du Luberon, le château de Lourmarin comprend une partie 15e siècle, le château vieux, et une partie Renaissance, le château neuf. Il abrite la fondation Lourmarin Laurent Vibert. Chaque année, de jeunes artistes et hommes de lettres ou de sciences sont hébergés au château. Ils peuvent ainsi travailler leur discipline en toute quiétude. Depuis 1929, se réalise la pensée du fondateur. Cette demeure est ouverte à l'art, à l'esprit et à l'amitié. Plus à l'est, proche des contreforts du Grand Luberon, le château d'Ansouy a le charme des demeures habitées par une même famille depuis des siècles. La salle de garde est ornée d'armures et d'armes qui vont du XVIIe au XIXe siècle. La salle à manger est dotée de remarquables tapisseries flamandes du XVIIe. Au départ du vieux port, dont les anneaux sont aujourd'hui principalement occupés par des bateaux de plaisance, commencent les excursions en direction de l'île du Château d'If. C'est aussi un excellent moyen d'apprécier l'architecture des bâtiments qui bordent le vieux bassin comme le fort Saint-Jean et le château du Pharaon, ancienne résidence de l'impératrice Eugénie. Rendu célèbre par Alexandre Dumas qui y enferma le comte de Monte-Cristo, le château d'If, construit au XVIe siècle, était initialement un avant-poste destiné à protéger la rade de Marseille. Devenu inutile dans sa fonction défensive, il fut transformé en prison d'État. Opposant au coup d'État de 1851, le masque de fer, Huguenots de Provence et d'ailleurs, furent autant de prisonniers incarcérés dans ces sinistres geôles. Notre voyage à travers les joyaux de l'histoire du sud de la France se termine ici.